Mon oncle m'a donné ceci pour mon anniversaire. Waouh! On peut faire toutes sortes de blagues avec ça. Lequel utiliser en premier? Je ne suis pas sûre. Tu décides, toi, Caillou. Très drôle, les garçons. Oh, salut Léo. Bonjour Caillou. Que faites-vous, les garçons? On t'a acheté des cacahuètes, papa. En voudrais-tu? Pour moi? C'est très gentil de ta part, Caillou. Merci. Wow. Oh, vous m'avez vraiment bien eu. Allez. Mousseline. Tu vois? Viens, Mousseline. J'ai une idée. Ah! Ils sont là! Bonjour, Mousseline. Caillou. Oh, salut, Léo! Salut! Grand-mère, tu veux du jus? Oh! Eh bien, oui, Caillou! Oui, j'ai un peu soif! Mousseline, tu voudrais m'aider avec les glaçons? Glaçons! Glaçons! Vous deux. Oh! Oh mon Dieu! Oh! Est-ce que c'est une farce? Ouais! Bien, adjoint Teddy, la ville va être en sécurité maintenant que nous avons attrapé le bandit Rexy. Oh, Shérif Caillou, venez vite! Salut Clémentine, qui a-t-il? Shérif Caillou, un bandit tente de venir voler la banque! Oh non! Qu'est-ce qu'on attend? À
un cheval. Plus vite, Gilbert. Yeah! C'était drôle. Bon, je dois déguerpir avant que le shérif n'arrive. Pas si vite, cow-boy. Eh bien, dis donc, voyons voir. L'argent n'est pas à toi. Maintenant, si. C'est moi le shérif ici et je te dis que tu dois rendre l'argent. Tu ne rends pas l'argent, je t'envoie en prison. Bien, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Dégaine! Remercie l'adjoint Teddy, l'ours le plus fort de l'Ouest. Je t'aurai pour ça, shérif Caillou. Yeehaw! Shérif, oh shérif, vous devez tous avoir faim après avoir sauvé le monde. Alors je vous ai apporté des biscuits de cow-boy. Wow! Merci, maman. Ça vous donnera plein d'énergie pour votre prochaine aventure. Ouais! Et le shérif Caillou est toujours prêt à sauver le monde. C'était la fin d'une journée bien remplie et Caillou voulait une histoire pour s'endormir. Papa, tu veux lire pour moi? D'accord, Caillou, rapproche-toi. C'est l'histoire d'un explorateur mondial qui voyage dans le temps. Dans les plaines d'Afrique, des bêtes sauvages rôdent. On ne sait pas ce qu'on va trouver. T'as senti ça, Caillou? Viens, monte, Caillou. Ouf, juste à temps. C'était tout juste, Caillou. Dans les grandes calottes glaciaires de l'Arctique, des sites extraordinaires ne sont jamais bien loin. Enchanté! Je m'appelle Caillou! Allons, Caillou! Voyons ce qu'on peut trouver d'autre! Oh.
On dirait que tu t'es fait des amis ici. Et dans les grandes pyramides de l'Égypte ancienne, qui sait quels amis vous pourriez vous faire? Waouh, Caillou, tu ressembles à un vrai pharaon. Toi aussi. Et de l'autre côté de la Méditerranée, Paris, une ville d'histoire, de gastronomie et d'art. Bonjour Caillou, très bien. Que dis-tu d'aller voir l'original ? Super! On peut monter? Bien sûr, Caillou. Allons-y. Oh! Une belle vue, hein, Caillou? C'est assez d'excitation pour une nuit. Il faut dormir. Écoutez tous, c'est presque l'heure du week-end. Il va falloir choisir qui peut ramener à la maison l'animal de compagnie Gérald. Bon, qui veut l'emporter à la maison? Caillou, veux-tu prendre Gérald aujourd'hui? Je dois donc le nourrir et jouer avec lui. Puis demain, il pourra se balader dans sa boule. Allez debout, tête endormie. Le petit déjeuner. Dans ta boule aujourd'hui. Caillou, Léo est ici. J'arrive, maman. Attends ici, Gérald. Hé, Caillou. Hé, Léo, tu veux venir voir Gérald? J'allais juste l'emmener dehors, là. Bien sûr. Il a besoin de faire de l'exercice, alors je le mets dans sa boule. Oh non! Qu'y a-t-il, Caillou? Où est Gérald? Je l'ai laissé ici et maintenant il est parti! Maman, j'ai laissé Gérald dans sa balle et il a disparu! Ne t'inquiète pas, Caillou, on le trouvera! Ici Gérald.
Gérald. Ici Gérald. Nos propres jeux de sport. Dans le jardin. Ouais, allons-y. Bien écoutez. Bienvenue à nos premiers jeux de sport de jardin. Garçons et filles, prenez vos sacs. À vos marques, prêts, partez. Bien, maintenant au trampoline. Très bien les enfants, un à la fois. Léo, tu es le premier. C'était très impressionnant, vous tous. Un grand bravo. Maintenant, un nouveau jeu. Ouais. Celui qui jette le plus loin a gagné. 3, 2, 1, jetez. Et la balle gagnante est à Clémentine. Une pause, les enfants? Miam! Et maintenant, papa? Et pour le dernier défi de la journée, le saut en hauteur. Ouh! Wow! Un vrai saut en hauteur! Bonne chance à tous! Thank you.
Et en deuxième place, Caillou. Bon travail. Et cela met Clémentine en première place. Félicitations, Clémentine. Alors, Caillou, raconte-nous ton week-end. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, on a fait une grillade ensemble. Maman et papa sont allés au magasin acheter plein de choses à cuire. Burger, hot dog, même les légumes avaient l'air délicieux. Mais nous avions besoin de se mettre en appétit. La glissade! C'est ton tour, Clem. C'était très amusant. Clémentine m'a tellement mouillée. Mais j'avais une idée pour me venger. Bon, tout le monde, il est temps de manger. Oh, oh, oh. Je suis désolée, papa. Oh, pas si vite, Caillou. Bataille de nourriture. C'était la meilleure grillade de tous les temps. Quand la bataille a cessé, on avait tous très faim. Alors maman et papa nous ont permis une glace avant d'aller au lit. Et ça a été mon week-end. J'ai tant mangé à la grillade, plein la figure. Ouh là là, on commence par quoi, Clem? Skibble, c'est mon préféré. Ouais, on peut, papa? Bien sûr, Caillou, allons-y. Beau lancer, Clem.
Eh bien, Caillou, c'est ton dernier lancer. Respire. Très bien, Caillou! Bien joué, Caillou! Excellent! J'ai hâte de dépenser mes jetons. Ne les dépense pas tous d'un coup. Le premier aux auto-tamponneuses, Caillou. Je vais t'avoir pour ça, Caillou. Waouh, les enfants, c'était super! Vous devez avoir faim! Eh bien, que voulez-vous? Voyons ce qu'on peut avoir avec ça! Ok, sur R! Oui! C'est un lait frappé froid, hein, Caillou? Oh! Mini-golf! Allons-y! Ne frappe pas trop fort, pas trop mou non plus. T'y es presque, Clem. Un autre coup devrait le faire. Chose? Non, ça ira. Finissons le cours. C'est ça, Caillou. Tu y arriveras. Waouh, Caillou, un trou en un. Caillou, c'était une bonne journée? Superbe! Hé, Léo, tu veux construire un château de sable? Sûr! Tu sais, tout bon château devrait avoir une douve. C'est quoi une douve? Une douve est un lac qui entoure un château, le protégeant des envahisseurs. Oh! Il faut creuser bien profond, jusqu'au sable humide. Comme ça, la douve gardera sa forme. C'est un très beau château, Caillou. Tiens, à
attends un peu. Pourquoi? Ça! Wow! Super! Là, vous avez maintenant un château qui se garde des visiteurs indésirables. Hé, hey, Caillou, on fait une partie de frisbee? Ouais! Vas-y, Caillou, mais ne va pas trop loin. Recule, Léo! Aïe! Je t'ai eu! Il faut que je me repose. Moi, j'ai une meilleure idée, Léo. Caillou. Mais attention, ne va pas trop loin. Accroche-toi. Il arrive. Vas-y. Yeah. Attention à ne pas boire l'eau de mer, Caillou. Elle n'a pas très bon goût, mais c'est fruits glacés. Fruits glacés, j'adore! Caillou, galopin! Pas si vite, Caillou! C'était une journée en famille et Caillou avait hâte d'explorer le jardin botanique. Waouh! Regarde toutes ces couleurs! Viens, Mousseline, allons voir le jardin. Oh, joli! Eh bien, Mousseline, c'est un tournesol. Et c'est jaune, comme le soleil, tu vois? Tournesol jaune! Bien, et celle-là, ici, est blanche, tout comme la lune. Comment ça s'appelle, maman? Eh bien, celle-là... Celle-là, c'est une fleur de lune. Ouah! Donc, les tournesols sont... jaunes! Et les fleurs de lune sont... blanches! Celle-ci est une rose. C'est une rose. Une rose rouge. Les roses sont rouges. Et les violettes sont bleues. Les tournesols sont jaunes. Et... les boutons d'or aussi. Les fleurs de lune sont... blanches. Les feuilles d'arbres... vertes. N'est-ce pas vraiment les plus belles couleurs du monde? C'est du pollen, Caillou. Ça peut faire éternuer. Jaune! Très bien, Mousseline. Viens, Mousseline. Allons jouer dans le labyrinthe et essayons de trouver la fontaine. Je pense que je suis perdue.
labyrinthe. Il y a une fontaine là-bas. Ah ah! Eh bien, pas ici. Maman, papa, je vous ai trouvé. Je pensais être perdue. Eh bien, tu as réussi à nous trouver. Comment as-tu fait? J'ai écouté très fort le son de la fontaine et j'ai suivi le son jusqu'au milieu du labyrinthe. Je suis fière de toi, Caillou. C'était une excellente décision. Tu vois, Caillou, parfois tu te sens perdu, mais tu n'es en fait que dans une aventure. Caillou adorait explorer le jardin botanique, mais c'était plus amusant quand il était avec sa famille et pas perdu dans le labyrinthe. As-tu hâte de venir travailler avec moi aujourd'hui, Caillou? Ouais! Regarde ce que maman m'a fait! Génial! Quelle belle cravate! C'est quoi tous ces chiffres, papa? Eh bien, Caillou, si tu composes un numéro, l'ascenseur t'emmène à cet étage. Essaye donc! Nous allons au niveau 4. Super! Bonjour, Boris. Oh, et tu dois être Caillou. Ton papa me dit beaucoup de bien de toi. Et bonjour. Caillou, voici Valérie. Elle dirige tout le bureau. Génial! Enchantée, mademoiselle Valérie! Eh bien, c'est ici que je suis tous les jours. Que fais-tu, papa? Eh bien, papa fait beaucoup de choses, Caillou. Maintenant, Valérie nous demande de faire des copies pour une présentation. Copies? Mais Madame Martin dit qu'on ne doit pas copier sur les autres. Oh, 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 Caillou, on doit faire des copies pour les donner à tout le monde. C'est comme si c'était une présentation. Ah, d'accord. Papa? Eh bien, tout ce que tu as envie de copier, tu le mets ici. Après, tu composes le nombre de copies que tu veux faire. Et elles sortent directement dans ce bac. Waouh! Ça peut copier n'importe quoi? Non, pas tout à fait. Oh, attention, Caillou! Regarde, papa, c'est moi! Valérie m'appelle. Je reviens tout de suite. Peux-tu finir de rassembler ces copies? Fini! Ha ha ha!
Oh, excusez-moi, monsieur, je cherche mon fils. Il a votre taille, une chemise jaune et... C'est moi, papa. Maintenant, je suis un homme d'affaires comme toi. Oh, Caillou, pas besoin de lunettes ni de moustache pour ça. Mais ça te va bien. Oh, c'est l'heure du rendez-vous de Valérie. Donc, on a eu un assistant spécial aujourd'hui. Caillou a aidé Boris à préparer la réunion d'aujourd'hui. Et il nous a vraiment donné un coup de main. C'était génial, papa! Quand je serai grand, je veux travailler dans un bureau comme toi. Et tu seras le meilleur des employés de bureau qui soit.